Bon. Salut tout le monde. Coucou les loulous, on espère que ça va très bien pour vous. Et nous aussi ça va très bien. On revient des courses. Oh alors... putain, on est tombé sur ma molle. Ouais. On aurait dit qu'elle avait deux tensions. Ça, je préférais le drive la dernière fois. Hein. Presque failli appeler les pompiers pour elle. Bon, on s'en est super bien sorti. Maintenant, on ne fait plus que des courses bimensuelles. Parce que, comme vous le savez, on n'est pas à côté non plus des magasins. Donc, ça fait quand même une belle économie. Et honnêtement... On a eu pour 250 euros. Ouais, je compte te dire à la fin. Ah oui? Eh oui. Mais c'est pas grave. Ah là là. Bon, c'est énorme, vous allez voir tout ce qu'on a pour ça. Et j'étais contente. Et sur le drive, elle vous le dira à la fin pour combien on en avait. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on a pas pris, qu'on avait en réserve. Non. On va prendre. Oh, tu es belle. Mmh. Allez, bon, j'allais surgeler. Alors, en surgeler, qu'est-ce qu'on a pris? On a des haricots verts. Et fameux haricots verts. Des poireaux en rondelles. J'ai fait des poireaux, mais c'est ça, j'ai fait des poireaux, mais je l'ai pris de feta. Je vous demande. La feta, c'est moi qui vais la faire. Ah, c'est ça qu'il a écrit à la faire, c'est tout ça. Une printanière de légumes. Un trio de poivrons. Des légumes à couscous. Ça, c'est vous n'êtes pas du poisson, hein, vous pouvez pas. De la fausse ratatouille. Ça, c'est pour ce soir. Du colin d'Alaska. x2. x2 par 8, attention. Hein. Tu prends ce qui est là déjà. Ouais. Alors, on a pris du jus de tomate pour moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est bon, ça. Et il était moins cher que celui de Leclerc. Donc, tout bénef. Du Milka pour madame, en tassimo. Jaffaden, 100% pur jus. Alors en plus, on a pris aussi. Là, c'est Océane qui a voulu ça. Non, elle a voulu le raisin. Oui, un raisin et un orange. Donc, alors, du coup, il y a orange et raisin. Là, on a un filet de 5 kg de patates. Je peux le mettre là-bas, s'il te plaît. Ouais, on va patater, quoi. Un paquet de 2 kg de croquettes moelleuses pour Tommy. Au beurre et à carotte. Ce sera meilleur que les plantes, hein? Voilà. Parce qu'on a eu une petite mésaventure. Ah oui, pour bon, à part ceux qui nous suivent sur Instagram, ça, que notre chien a été bien malade par rapport qu'il s'est mangé. On ne sait toujours pas quoi, parce que le vétérinaire a été capable de dire, débiter, il a su, nous dire ce qu'il a eu, on n'a pas su. Ouais. En fait, il a eu une diarrhée sanguignolante très liquide, vomissement toute une nuit, ici et là. Le chien ne savait pas ce qu'il allait survivre. À partir comme c'était parti, il n'allait jamais sortir. Et je vous dire que depuis l'enfant, il ne fait que nos conneries. Là, alors on a un pur jus de 2 litres de Joker. Ça, le Joker pour moi, c'est. Ça, mets-le à la limite, s'il te plaît, dans le placard. Ouais. Mon amour, je t'aime. Je t'aime. Sans te commander, hein. Ouais. Ici, nous avons alors 2 fois 2 baguettines. La première. Ah, il y a. 2 margarines, parce qu'on s'est rendu compte que le beurre partait très très vite. x2 tranches, alors 2 fois 2 x 7. 5 fois 4, voilà. Ça, je ne sais plus compter. Ça, c'est vrai que je mets dans le gratin dauphinois en fait. Ce qu'on fait, on met les pommes de terre, on met la crème. Non, on met les pommes de terre, on met ça et on met la crème. Tu vas t'en sortir. Je vais m'en sortir. Fou. Et franchement, ça évite de faire une viande en plus. Et qu'est-ce que c'est bon. C'est trop trop bon. Donc, on gratte nos finaux revisités. Tiens, ça, à la limite, on va le mettre comme 2 comme ça, tu vois. D'ailleurs, t'as la grecque, ça, il y a 3 paquets. J'en avais mis que 2, mais madame trouvait que ça faisait pas assez pour moi. Bah, il avait pas pris le compte pour 2 semaines, il avait que pour une semaine de yaourt. Mais si j'avais pas. Il s'est pris des petits perles de lait. C'est toi, ma perle de lait, ouais, mon peu de lait. Ici, nous avons donc des tomates coulis. Coulis-bali. Non. Nature yaourt, nature sucrée, ça c'est pour moi. Bon. Et tout qui s'en va. 4 fois beurre comme ça. Peut-être pour les pâtisseries. La petite yaourt, les grecs. Les petits grecs. Qu'est-ce que ça figure? Tu m'as pris pour de un grec. De la sauce tomate cuisinée, il y en a 6. De l'oignon. C'est l'oignon ça? Oui. Mais je sais. C'est pas bien.
Mais c'est du croc qui fait ça, il s'est décarcassé pour nous. Une petite dé de jambon. Chérie s'est pris un petit caprice des anges. C'est vrai. Alors, en lait, on a les deux packs de lait habituels. Ensuite, on a, pour faire des économies, donc je vais tester la lessive Epsilon de Leclerc, je vous dirai ce que j'en ai pensé. T'en penses pas moins. Une culotte pour Minette, qui est propre la journée maintenant. Des pastilles anti-calcaire. Ça, c'est pour la machine à laver. C'est très bien, parce que l'eau, elle est hyper calcaire. Ah, oui. Une fontaine de 5 litres pour les cafetières et pour nous, si on a envie. Ou pas. Bah, fois 3 4 mais je sais pas où est l'autre. Fois 4, semi-épaisse. C'est pas de la crème fraîche, hein, c'est de la crème tout simple. Oui, parce pratique. Que j'évite de le dire que c'est de la crème fraîche, parce que ce n'est pas de la crème fraîche. Un déodorant vanille glacée à l'huile essentielle de Sol's Clary. J'aime beaucoup l'odeur de la vanille en ce moment, je suis à fond dans la vanille. Tu crois que je peux en mettre dans le pastis pour glacer un petit peu? Je sais pas. Du jambon sec, ça va être pour une salade. Wow. Il y a tout qui s'en va. Petit pois carré, mais elle m'a encore fait la bêtise. Tu prends une. J'en ai pris deux. Ah d'accord. Bon, ben, elle n'a pas fait la bêtise, alors tant pis, dommage pour moi. Voilà, donc petit pois carotte, une fois deux. C'est les hommes, ça me parlait, je voulais me dire. Moutarde, ah ça va être super. Moutarde Amora, t'as pris quoi? Non, je crois que tu l'as pris encore au miel, la moutarde au miel. Qu'est-ce que c'était pas bon ça, regarde. Parce que je vais faire la mayonnaise. De la mozza croisée. Belle mozza. Et tu dis. Est-ce qu'elle est vraiment croisée? Pour la salade. Elle est croisée avec quoi? Il y a dinde et poulet. Ben voilà, deux dindes et deux poulets. Comme ça, fradilège. Alors des piles, parce qu'on sait qu'il nous fallait des piles. Mais on sait pas pourquoi. Mais on sait plus pourquoi. Ah, je crois que c'est pour ça, là, pour le truc qui sont bourreaux. Je crois que c'est pour ça qu'on a repris des piles. T'es sérieuse, on s'en sert pas de ça. Mais si, on s'en sert pas parce qu'il y a pas de piles. Les yaourts pour les mistagates, j'ai pris des comme ça. Mais c'est moche. Et je leur ai pris des flancs. C'est moche. Notre huile d'olive. Le seul pour 2 semaines, ça suffit. Du cheddar pour le one pot pasta. Il m'en reste encore deux. La femme, ouais. trop bête. Allez chercher. Ah, non, je refais. À la caisse. Allez chercher, s'il vous plaît, un autre parce qu'il n'y a pas le code. Bon, je vais le chercher. Elle arrive, elle scanne et elle nous redonne l'autre. Ah, merci. Mon Dieu, que tu as envie de les secourir les gens comme ça, comme des poignets. Ben, j'aime parce que alors, ceux qui font leur course à Lidl disent toujours les caissières ont une allure phénoménale. T'as à peine le temps de mettre dans le caddie. Ben, venez à Leclerc d'Alice. Oh, ben voilà, on avait le temps. Venez, on avait largement le temps. Alors, ça, les bananes, on en a 4 parce que Anne aimait bien avoir un fruit avec son petit déjeuner à temps. Espèce de banane. Je sais pas pourquoi faire. Ça, c'est pour une pizza. D'accord, ben 3 fromages. Voilà. Et celui-là, il est moins cher. Il fait 1,42€ alors que l'autre, il fait. Pour pizza, 3 euros et quelques. Mon Dieu, c'est génial ça! Et voilà, bon, ben, de l'huile de tournesol, de friture! Et en plus, elle a pas pris l'huile d'arachide, heureusement. Ça va, je vais pas me tromper à chaque fois quand même. Et là, j'étais quand même. Les petits haricots plats, il les avait plutôt que les prendre en surgelé et ça, pour changer un petit peu de haricots plats. C'est bon. Ça, je vous les présente plus, hein. Les petites saucisses. Elles sont bonnes, hein. Les petites saucisses. Ça fait légèrement. C'est des saucisses. Alors les tomates, ça s'est cassé la figure. Hein. Ça s'est cassé la figure. C'est bon, je le fais. Attends. Ah, je suis un vieux en fait. Bon, ça, bon, ben, la crème fraîche, on l'a présenté. Le beurre, on l'a présenté. J'ai reçu la vanille des écoles. Les mousses aidées, j'avais pris. Oh, qu'est-ce qui sent ? Celui-là, j'ai pas pris, mais. C'est trop bon. Toi, je te fais pas confiance. Allez, vas-y, mais sans. Sans bon la vanille. Sans super. Ceci bon dit, ça sent la vanille. Ah, il m'avait manqué. Mon chipotle. Tabasco. De la ciboulette. De la ciboulette. Parce que vous savez, on cuisine beaucoup avec les épices. Je préfère une quand même. Plutôt que 6. Une boulette, une ciboulette.
C'est meilleur pour le régime. Voilà, donc ici nous avons x2. Alors je ne vous le présente pas l'autre parce que bon. Parce que chéri, c'est toujours son rééquilibrage alimentaire. Il est caché dans les meilleurs. Et bravo, super de jeu parce qu'il a commencé à bien les manger. Et gnocchère poêlée. Alors sur le paquet, ils disent pour 4. Mais je trouve que ça fait un peu léger. Un paquet, c'est pour moi. Les autres, c'est pour elle. De risotto. Voilà. J'ai pas besoin de le présenter. Je vous le montre, c'est tout. Ah, regardez. De l'huile de tournesol. J'ai pris qu'un litre parce que comme du coup, je prends une friture pour la friteuse, du coup, je ne sers pas énormément. Du olive onglin. Ça, on en a... J'aime bien parce qu'il dit toujours incollable, mais c'est toujours collant. Là, on a des escalopes grillées, soja et blé, parce que les filles sont pas fans de la viande de bœuf. Donc, voilà. Et comme il faut qu'elles mangent un peu quand même. Monsieur Flan. Ça, c'est pour les filles. Ah, voilà. Ça, c'est le jus qu'Océane voulait pour le matin, pour changer un peu du jus d'orange, pas avoir que du jus d'orange. Elle a choisi le jus de raisin, donc on a pris du jus de raisin. Et je crois que ça a rapporté 20 centimes sur la carte. Peut-être. Un truc comme ça. Vous savez que le monsieur Flan, c'est un tire au flan. Parce que quand on tire la languette, on tire le flan. Les autres petites tomates cuisinées. Je m'auto-soule des fois, c'est dingue. Je m'auto-soule. Ils sont très bien ceux-là d'ailleurs, les Heinz, tu les aimes beaucoup toi. Les Heinz, ouais, mais je prends plus que celle-là parce qu'en fait elle est meilleure. C'est bon. Ouais, bon. Et ici donc nous avons de la bûche de chèvre. Mais là nous avons des lingettes épaisses pour bébé. Deuxième jus de tomate, c'est trop bon. Oui, je pense qu'il ne doit pas être mauvais. C'est des marmandes. Croisées. Non, non. Lot et Garonne. Alors, ça, mais voilà. Donc ça, c'est le lait entier pasteurisé. Donc, tout simplement pour faire du fromage. Oui, je vais faire mon fromage. Tu vas faire la feta? Je vais faire la feta, mais avec la feta. La feta. Donc je vous montrerai la recette de la feta et en même temps... ça peut servir aussi de la préparation pour le boursin. Et voilà. Et pour la mozza aussi. Enfin bon, bref, vous verrez. Hein. Voilà. On filmera. De la purée. Parce que oui, la purée, c'est sûr, on peut la faire. Mais c'est beaucoup de vie pratique, ça. Parce qu'il y a quand on n'a pas le temps, parce que je suis tout le temps sur l'ordinateur en train de composer mes musiques. Ah oui, parce voilà. Que là, il n'arrête pas. Voilà. C'est la vie. Alors, ici, nous avons. Là, c'est des petits steaks de soja et blé. C'est comme il y a pour deux fois, pour les deux semaines. Donc, elle a pris aussi comme ça. Non, pas, je serais curieuse de goûter, de voir le goût que ça. Ouais. De l'aluminium, parce qu'on est en rade. Des pains en chocolat, x8. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Il y a 4 paquets. Là, voilà, 4x8. Là, il y a le troisième. Putain, mais il faudrait que je vide mes tables de multiplication, moi. Hein. C'est pas possible. Le deuxième idée de jambon, de l'ail en semoule, pain au lait. Alors, pain au lait, un truc que je comprends pas. Paquet à l'unité, pâte pour la coque, paquet de vin pour la coque, exactement les mêmes. Pareil pour les pains au chocolat, hein. Si vous avez plusieurs, un truc familier, ben, ça sera en pré la coque. Ah, il fait percé ou quoi? C'est un peu ça. Ah non, c'est pas percé. J'ai repris les berlingots pour mettre. Dans ma bouteille plutôt que de racheter la bouteille. J'adorais, moi, quand j'étais minot, avoir les berlingots à la vanille, au chocolat. Quand ils distribuaient ça à la cantine, c'est trop bon. Oui, on parle de ça. Là, des œufs frais, on en a 2 boîtes. Ah oui, je raconte ça parce que quand j'étais petit, ma mère avait des berlingots comme ça de lessive et j'en ai bu un jour. Je vais atterrir à l'hôpital. Non, c'est pour la. Non, pas de ça et pour la javel. Au chocolat. Mes petits pains grillés du matin. Franchement, ils sont très bons. Galette de riz. Alors, ben, il n'y avait pas au sésame. Enfin, le seul qui était au sésame, il était ouvert. Donc, j'ai pas trop confiance. Non, qu'est-ce que t'en penses? Toi qui es derrière ton écran, mets un commentaire. Est-ce que vous auriez acheté? Non. Donc, tu vas faire quoi, du coup? Riz. Riz complet. Oh, pétard, voilà ce qu'on a oublié. Quoi? Le riz complet. Mais c'est pas du riz normal? Non. C'est pas du riz. Oui, mais on a pris du riz normal, mais on a pris pas du riz complet. Oui, alors, là, les autres sauces tomates cuisinées. Ça y est, j'ai mon déo. Il est meilleur que l'autre, parce que l'autre, ils sentaient les chiottes, c'était horrible. Oh, les scorpions, ils sentent bon. Alors, 6 euros, sont déo, et en plus, puer. Tu vois? Oh, ils sentent bon aussi. Les scorpions, ils sentent bon en général. L'autre peine de mie. Et le dernier sac,
n'est pas le plus léger non plus. Pourquoi ce très léger, tiens? Ici, nous avons des œufs. Alors nous, on adore, par exemple, tu vois, en magasin, comme ça, on les ouvre, on les regarde, et puis voilà. Il n'y a rien, il n'y a rien. Elle l'a trop dessert, trop doux. Je vais finir par être grec, moi. Tu vas voir, je serai grec. Un autre une botte de banane. Chose de banane. Une chose de banane. Ici, donc, nous avons de la dinde en escalope. Et quand j'étais petit, je disais... Je ne dirai pas parce que je vais faire frayer par YouTube. Des allumettes de bacon, ça c'est bon. Oui, alors la dernière fois, je me suis trompé, j'ai mis ça dans la... Dans la quiche au lieu d'abdolo de l'omelette. Voilà. Et je me suis fait jeter. Si de lardons fumés. Je me suis fait têche. Là, cordon bleu, on en a pris que deux parce que j'en ai encore dans le congélateur. Donc Doudou m'a dit prendre que deux. Un kilo de viande hachée. C'est simple en fait, j'ai même pas parlé sur cette vidéo. Là j'ai pris une caissette comme il nous faut pour deux fois de la viande de... des steaks. Parce que Doudou doit manger au moins une fois par semaine de la viande rouge pour son équilibrage. Lardon fumou. C'est vrai, un pan de fumée. Vous savez ce qui m'est arrivé tout à l'heure? Je vais donc acheter mon paquet de tabac à rouler. J'avais tout préparé, j'avais pris les feuilles dans ma poche parce qu'il me restait quelques feuilles. Il avait ses filtres à maison. Ouais. Du coup, j'ai fumé sans filtre, alors je peux vous dire comme. C'est la catastrophe. Des petits filets de poulet. J'ai failli ne pas prendre la voiture, évidemment, j'avais la tête qui tournait. Vous savez, nous les filets, on chérie, les émins, après on avait des petits filets d'aiguillettes. Du coup, là, il y a un kilo, il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aime bien les mettre en aiguillettes parce qu'elles ont du mal à cuire. Enfin, bon, moi, après, je suis peut-être une merde en cuisson pour le poulet, mais j'ai du mal à cuire les trucs, c'est toujours cru à l'intérieur, ça me gonfle. Si vous avez une technique d'ailleurs pour ça, franchement, je veux bien l'avoir parce que... Non, puis là, au moins, ce qui est bien, c'est que du coup, ça nous va nous faire bien 3 repas. Vu qu'on n'en prend que 2 à chaque fois qu'on émince, on en a pour 3 repas. Oui, c'est vrai que niveau économie, c'est bien, mais... Voilà, on fait des économies. Ah, ça c'est pour le midi, un poulet. Un petit poulet. J'ai pris des paniers de poulet, alors ça revenait, c'est sûr moins cher de les prendre. Oh putain. Quoi? Sérieux? Eh non, je rigole. De les prendre par 4, mais au final, au kilo, c'était plus intéressant puisque là, je les ai pour deux fois. Donc, ça valait le coup. Oh, vous avez vu? Maintenant, c'est attention à ça. Sors là les filtres. L'autre banane. L'autre beurre et le... Un bon supérieur. Voilà. Donc les loulous, on vous a dit, puisque tu as dit dès le début, on en a eu pour 250 euros. Attends. Viens. Lequel? Avant toute chose. Par terre. Où ça? Par terre. Où ça? Ta fille l'a jeté par terre, je sais pas où il est. Oh putain, il était là le roquefort. Il est où le roquefort? Coincé. Où ça? Coincé derrière le truc. Et tu m'as dit qu'il n'y avait pas. Je vais le peindre. Allez, vas-y, sors-moi le, comme ça je me fais ridiculiser en plein direct. Messieurs, dames, je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois on avait fait les courses et puis on avait acheté 3 bouteilles de fruits comme ça, enfin de légumes, jus de légumes, alors il y a carottes, radis noirs, radis noirs, il est là, céleri rave, tomates, carottes, basilic, oignons, citron, dégueulasse. Bref, j'en ai fait goûter aux filles et elles n'ont pas aimé. Moi j'ai goûté, j'ai pas aimé du tout, mais je voudrais quand même me ridiculiser un petit peu en public, ça fait toujours bien, ça fait toujours plaisir. Donc vous voyez, il y a vraiment une odeur de merde. Alors du coup, le défi, ça va être 5 gorgées d'un coup. Alors attention, comptez bien ma glotte là. Hein. Il en tremble. Attends. Ça va pas, chérie? Super. Ça fait des bruits bizarres dans le ventre, c'est normal. Oh, mais j'ai du poulet, après ça va aller.
Tu veux pas appeler les pompiers là? Non. Je me sens pas bien. Ceci dit, ça m'a permis quand même de vérifier quand même. Vérifier quelque chose, c'est que je suis pas allergique au céleri. Que j'aurais préféré, franchement. Il va me faire. C'est dégueulasse. Alors, prochain défi pour vous, je vais me taper une assiette de wasabi. Voilà, c'était prévu. On n'a pas acheté ce qu'il veut pour faire du wasabi. Si, c'est là-bas. Il est là-bas. Ah. Je le vois là, je l'orne. Voilà. Bon, prochain défi, je me mange une assiette de wasabi. C'est un peu de peur avec le rééquilibrage, ça. On s'en fout, je rééquilibrage là, c'est juste pour nos abonnés à nous. Ah. Enfin voilà. Donc, vous allez me voir pleurer et cracher du sang, même, je sais pas. Cracher du feu, peut-être, je vais me transformer en dragon. Là, ça. Et en tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent, qui suivent Loulou dans son projet musical. C'est vrai qu'il a une belle voix, mon chéri. Alors là, c'est des covers, bon, mais les covers, je les fais sans micro. Parce que ça, voit, tout ça, ça va arriver. Voilà, donc c'était un petit cover avec piano et voix. Oui, parce qu'il ne peut pas vous mettre, faut faire, pour les gens, il peut pas mettre sur YouTube des chansons qu'il crée et qui sont enregistrées. Parce que... C'est pas encore à la SACEM. Voilà. Donc je peux pas. Et qu'est-ce que la SACEM pour ceux qui ne connaissent pas? La SACEM, c'est pour protéger ses musiques et puis pour les diffuser aussi avec les droits d'auteur, tout simplement. Voilà. Pour pas qu'il y ait de copyright. Non, ou c'est encore autre chose, ça. Copyright, c'est pour protéger tes textes. D'accord. Quand tu vois un petit C dans un rond, c'est copyright. D'accord. Quand tu vois un petit T dans un rond, c'est trademark. C'est pareil. Et pour tous nos nouveaux abonnés qui ne nous connaissent pas, qui ont juste vu nos vidéos. Eh bien, du coup, voilà. On se présente. Nous, c'est Galou. Laetitia. Tous les deux, on a 30. Moi, j'ai 33 ans. Doulour a 33 ans au mois d'août. T'es vieille. On est mariés depuis. Ça fera 9 ans à la fin de ce mois-ci. Et on a deux choupettes. Tout simplement. Voilà. Ouais. Et on prend tous nos repas à la maison. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas quand même, je tiens à dire, nous sommes Wiccans. Et nous allons effectivement avoir Préparer la fête de l'ITA. Voilà, préparer la fête de l'ITA. Qui correspond au premier jour de l'été. Et on va aussi préparer une petite surprise. Voilà, bah écoutez, tout simplement. On filmera les préparatifs. On filmera les préparatifs pour quelque chose de bien particulier. Car ça fait 9 ans. Et pour nos 10 ans de mariage, pour célébrer un petit peu notre amour et puis pour renouveler un peu tout ça, on va faire. On dit pas. On dira mon menu. Il y a eu des hauts et des bas et maintenant les hauts sont. Ouais. On repart vers les hauts. Ah oh quoi? Tu m'as mis tes mains glacées dans les fesses. C'était le bon. C'est pas possible. Non, c'était les fesses là. C'est là où il y a le trou, c'est les fesses. Ah bah alors, ça va se mettre avec tes fesses. Non. Du coup, il vérifie. Pas touche. Donc voilà les loulous. J'ai dû faire une sacrée tête en vidéo. Ouais. Ça fait qu'on se retrouve très vite. Même ailleurs, c'est pas vrai.